wesh. Aïe. Tu m'as coupé. Tu as pas ta succion. Alors qui ça? Non mais... Oh putain. Pourquoi déguisement? Alors j'ai pris que des vieux vêtements, de chez moi, un peu n'importe quoi, et je me les ai mis sur moi. J'ai cherché un assortiment de couleurs assez fort, et j'avais des lunettes beau gosse, et moi je me suis dit que ça allait pas mal. Après on verra bien. En Orange is the New Black. Ah, parce que j'aime bien cette série, et puis voilà. Depuis tout petit, j'ai toutes les BD, tous les comics, enfin je suis accro à ça, et c'est un bon costume quoi. Non, c'est un truc que j'ai acheté sur internet donc. C'est le truc qu'on a trouvé en fait. Non, mais fallait un truc à plusieurs donc du coup voilà. En groupe c'est mieux. En groupe oui c'est mieux. La fête des morts au Mexique. Bah comme ça parce que j'avais envie, j'aime bien. Voilà, tout le costume il a dit que tout quoi, j'aime la bière, bon. J'avais pas trop. Fan de bière. J'ai pas trop d'imagination, bon, ça a été simple quoi. Oui, beaucoup de temps. J'ai tout fait et beaucoup de temps, oui, beaucoup de temps. Mais ça vaut le coup, je pense, parce que c'est une bonne fête et puis ça vaut le coup de marquer tout ça. Et puis, faut faire la fête avant le bac. Oui, on y a été. On a été quand même un peu dans le lycée, tout ça, rendre visite un petit peu à tout le monde. Et puis, bah, forcément, c'est un jour de fête. Alors bon, voilà, on fait profiter un peu les autres qui sont pas déguisés, ceux qui sont en première, en seconde, tout ça. Très important, c'est la tradition du perso 100 jours avant le bac. Mais du moins, on était les 4 premières avec ma meilleure amie. Ouais, puis en fait, tout le monde est venu. On s'est tous réunis, on a envoyé des messages, même sur les réseaux sociaux, pour réunir tout le monde auprès de l'évêque. Et on a réussi à faire la fête sans trop de débordements. Il y a eu quelques dégâts, mais dans l'ensemble, c'était moins pire que l'année dernière, je pense. On a changé de programme, on a été auprès de l'évêque parce que si on n'avait pas le droit de boire. On a été près de l'évêque et on était tous ensemble. On s'est éloigné du quai pour justement éviter les toutes dégradations autres causées par des gens qui sont pas censés fêter le perso et qui s'incrustent. Non, cette année franchement ça a été et je pense que c'est bien, c'est important de montrer qu'on peut faire la fête sans qu'il y ait de débordement. Ils veulent juste faire plus attention parce que d'habitude il y a plus de débordements, mais ça va. Oui, c'est vrai que l'année dernière c'était grave quand même, mais voilà. Mais du coup cette année c'est mieux. Comme ça, tous ceux qui fument des choses illicites, tout ça, ils seront punis. Ça peut être surveillé. Ça peut être surveillé contre la criminalité. Bah oui, quand même, faut quand même faire la fête parce qu'on va quand même avoir le bac, alors... On a quand même fait la fête, on a fêté les 100 jours avant le bac, c'était nickel. Non, on est assez confiants, on stressera plus, je pense, vers les derniers mois. Ouais, je pense aussi, ouais. Là, 100 jours, ça nous laisse de la marge pour travailler, etc. Un peu quand même, j'aimerais pas le relouper. Non, mais normalement, je suis confiant, donc ça va le faire. Faut continuer à bosser régulièrement au lycée, ça. Voilà, le bac c'est de l'eau, de toute façon, si on bosse régulièrement, ça ira. Vite fait, là, on profite, on pense pas à ça, et puis après, on y pensera plus tard. En révision. J'ai reçu un message en gros me disant qu'il y avait eu... des attentats, c'est ça que j'y ai pensé, mais je me suis dit que nous on était loin de ça et que même s'il fallait penser à eux, je pense que la meilleure façon de penser à eux c'est de s'amuser, de leur montrer que malgré les problèmes qu'il y a, et ben on peut encore s'amuser. C'est triste mais il faut quand même s'amuser, on peut pas s'arrêter de vivre pour ça. Ouais quand même, c'est quand même récent, c'est marquant, ça nous touche tous et on peut se dire que ça peut venir d'un jour ou l'autre quoi. Enfin, ça peut venir peut-être le lendemain ici et on sera pas au courant. Enfin, ouais. Le mieux c'est encore de rester quand même assez... Il faut garder le sourire parce que sinon on stagne et puis bah non, il faut quand même un peu avancer. Même s'il faut quand même compatir, commémorer, mais voilà. Quand même vivre, je veux dire, faut toujours continuer à vivre. Hein. Si on s'arrête pour ça, on s'arrêtera tous les jours parce que c'est partout. Franchement, maintenant... On peut s'amuser de temps en temps. Ouais. Il y en a partout de ça, donc faut continuer à vivre. Non, faut pas montrer terroriste qu'on est terrorisé. Non, faut montrer que voilà, on se laissera pas abattre par ça et que... Et que malgré, bah, on ressent quand même quelque chose, mais on va quand même persévérer pour montrer aux terroristes qu'ils nous abattront pas comme ça. Bah, on prend conscience de tout ça, mais après, voilà, faut qu'on pense à notre bac et faut quand même profiter. Faut pas perdre la fête là. Je pense que pour nous, en tant que terminale, c'est important.